Notre sujet pour aujourd'hui, c'est une commande pas mal difficile. La révolution, si vous voulez, la Bible et la révolution française. La Bible et la révolution française. Quand j'étais en classe humanitaire, comme on le dit dans les pays francophones, en Haïti, j'ai étudié la Révolution française. C'est l'une des histoires, c'est l'un des épisodes de l'histoire les plus terribles qui aient lieu sur cette terre. Parce que il s'agissait d'une guerre ouverte entre les forces du bien et les forces du mal. Une guerre cosmique qui continue encore aujourd'hui. De toute façon, cette guerre a commencé au ciel, car celui qui est l'auteur de cette guerre, qui l'a initiée, Satan, est sur cette terre. Et il fait tout ce qui dépend de lui pour pousser autant d'hommes possibles à se révolter contre Dieu dans la guerre millénaire qu'il livre au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur. Alors, aujourd'hui, notre sujet, la Bible et la Révolution française. On a déjà eu le texte de méditation, Apocalypse 11, versets 3 à 5. Maintenant, nous, sans tarder, parce que le sujet est vraiment tough, c'est pourquoi je vous prie de prier pour moi, tout en gardant votre attention sur les éléments, les détails, les informations et entre les lignes, les exhortations que le Seigneur Dieu nous envoie aujourd'hui à travers ce sujet très dramatique. Définition. On parle de la Bible et la Révolution française. Alors, j'ai retenu deux mots à définir. Vous connaissez déjà le mot Bible, mais quand vous allez en profondeur, vous voyez que le mot Bible vient du latin Biblia, en fait, du latin ecclésiastique. Il y a le latin courant et il y a le latin ecclésiastique. Et puis ce mot veut dire livre sacré, et en grec on dit la même affaire, Biblia. Mais en grec, il ne s'agit pas forcément de livre sacré, on dit Biblia qui veut dire livre tout court. D'ailleurs, le terme en grec, c'est pluriel. Ensemble, des textes sacrés pour les religions juives et chrétiennes. Livre qui contient ces textes. La Bible, en fait, n'est pas un livre comme les autres, c'est plutôt une bibliothèque. Pour vous qui étudiez la Bible, vous voyez qu'il y a dans la Bible 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et les Juifs utilisent l'Ancien Testament seulement, car ils attendent un Messie. Et nous, chrétiens, nous savons que le Messie est déjà venu. C'est pourquoi nous utilisons les livres canoniques du Nouveau Testament aussi, qui sont intégrés à l'Ancien Testament. En d'autres termes, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament qui constituent nos 66 livres comme bibliothèque pour nous parler de cette guerre et surtout de celui qui va remporter la victoire qui a déjà remporté la victoire sur l'ennemi qui a initié cette guerre. Ce sont des livres inspirés. La Bible, en fait, c'est un livre ou une bibliothèque inspirée à caractère historique, poétique et prophétique. Maintenant, le mot révolution, c'est du latin ou du verbe latin révolution ou revolvere, qui nous ramène en arrière. Alors, révolution, c'est mouvement orbital périodique d'un corps céleste, en particulier d'une planète ou d'un satellite autour d'un autre de masse prépondérante. Ce qui nous intéresse concernant la révolution aujourd'hui, c'est changement brusque et violent dans la structure politique et sociale de l'État, dans la structure économique, morale, culturelle et même religieuse de cet État.
changement qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Les références sont là, je n'ai pas le temps, et je m'excuse de vous les lire à haute voix. Oui, nous parlons de la Bible et la Révolution française. Maintenant, nous devons aller dans le contexte de la Révolution française pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, quelles sont les forces en conflit et quelle est l'issue de cette guerre. Au plan politico-religieux, littéraire et historique, nous savons que la monarchie absolue en France, au XVIIIe siècle, repose sur la religion catholique. Repose sur la religion catholique de façon logique, puisque le roi dit qu'il tient son pouvoir de Dieu. C'est pour cela que Louis XIV décide de révoquer un édit qu'on appelait l'édit de Nantes, qui garantissait la liberté de religion ou de culte aux protestants. C'est sûr que dans ce contexte, il y avait des philosophes. Et parmi les philosophes, il y avait Voltaire, qui était d'accord pour revendiquer les libertés religieuses, ou la liberté religieuse. Voltaire, en fait, était un déiste. Un déiste, c'est quelqu'un qui croit en l'intervention d'un être suprême, d'un Dieu quelconque, mais le déiste ne s'occupe pas de textes sacrés, de quelle que soit la religion, pour prouver qu'il y a un Dieu. Il croit tout simplement qu'il y a un Dieu, et ne lui parlez pas de votre Bible, ou de votre Coran, ou de votre quoi que ce soit comme livre. C'est ça, l'Église. Deuxième point, il y avait en France une crise sociale. Le système social français est hérité du système féodal. La société est hiérarchisée en trois groupes inégalitaires. Ces trois groupes, c'était le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le tiers-état représentait à ce moment-là 98% de la population. Le texte qui est en bleu, j'ai fait exprès pour ne pas pour gagner du temps. Je l'ai caché en bleu. Chaque ordre est hétérogène. Nous avons deux mots, hétérogène et homogène. Hétérogène, c'est groupe qui a plusieurs sous-groupes, alors que homogène, c'est un groupe où tout le monde partage les mêmes idéaux, tout le monde reçoit les mêmes avantages. Alors à l'époque, dans le contexte de cette révolution, même les trois groupes que nous venons de citer, le clergé, la noblesse et le tiers-état, à l'intérieur de ces groupes, il y avait d'autres sous-groupes qui avaient des intérêts à réclamer ou à défendre. Si vous voulez, des enjeux à défendre. De ce fait, les inégalités s'accroissent. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. La présence de privilèges n'étant pas expliquée est totalement injustifiée à ce moment-là. La société d'ordre et de privilèges est contestée par les non-privilégiés. C'est normal, parce que ceux qui sont privilégiés, nous allons voir bientôt quels étaient quelques-uns de leurs privilèges. Et ils avaient vraiment beaucoup de privilèges, pendant que les autres croupissaient dans la pauvreté et la misère. Quelques-unes des injustices sociales que nous voyons dans cette société française au XVIIIe siècle, la noblesse et le clergé, en termes de
contribution à la nation, payait l'impôt dans une mesure inégale et insuffisante. Le principal poids des charges publiques portait sur le tiers-État, particulièrement sur les paysans. Alors le tiers-État était composé des paysans, des fermiers, des cultivateurs, des artisans, etc. Le clergé, c'est quoi? Bien vite, le clergé, c'est la hiérarchie dans le contexte. Il s'agissait non pas de la hiérarchie des autres religions, mais plutôt de la hiérarchie catholique. Le clergé n'était tenu dans sa contribution qu'à des dons arbitraires, qu'il fixait arbitrairement. La noblesse, vous remarquez que le clergé pouvait faire des dons à l'État, arbitrairement, s'il le voulait. Mais, pour ce qui concernait la noblesse, elle payait la capitation. La capitation, c'est quoi? C'était un impôt par tête d'habitant. Chacun paye ce qu'on appelle un impôt qui s'appelait capitation. Il payait aussi un autre impôt qui s'appelait le 20e. Cet impôt était établi sous Louis XV. Mais le tiers-État payait lui-même ces deux sortes d'impôts, et de plus, il payait seul la taille. Quand vous voyez le mot taille, aujourd'hui, eh bien, au temps de la Révolution française, ou au temps de Louis XIV, ou du XVIIIe siècle aussi, en France, le mot taille ne faisait pas allusion à notre hauteur, mais faisait allusion à un impôt qu'on devait payer à l'État. Et la taille était le plus gros des revenus qui entraient dans les trésors publics. Outre la taille, le peuple des campagnes était encore soumis à la corvée. Qu'est-ce que la corvée? Eh bien, tous les paysans, tous les gens qui étaient dans le tiers-État, pour la plupart, étaient obligés de donner gratuitement plusieurs jours de travaux pour entretenir les routes. Gratuit. La noblesse, outre le privilège d'être exempt de la taille, avait encore celui de pouvoir s'élever seul au grade militaire. Donc seuls les gens de la noblesse, s'ils entraient dans l'armée, étaient, avaient le pouvoir ou le privilège d'obtenir des grades. Le clergé, lui, était exempt d'aller dans l'armée. Mais le clergé prélevait aussi sur le produit des terres une partie appelée dîme ou dixième. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique, chaque année, envoie une enveloppe dans les maisons. Moi, je l'ai reçue ici au Québec au moins 7 à 10 fois de ma vie. Ils disent, c'est le moment si vous voulez payer votre dîme. Jusqu'à maintenant. Alors, le clergé prélevait sur le produit des terres une partie appelée dîme ou dixième et jouissait d'immenses propriétés, dites biens de main morte, biens incommutables, biens qu'on ne peut pas passer de main en main, et biens inaliénables qu'on ne peut pas leur retirer, qui étaient soustraits à la libre circulation. Enfin, les paysans étaient accablés de charges fiscales. Vous voyez le contexte? La justice était rendue à prix d'argent. Jusqu'à maintenant, n'y a-t-il pas des pays dans le monde, peut-être même ici, où celui qui a plus d'argent peut obtenir meilleure justice que celui qui n'en a pas? Vrai ou faux? Mais à ce moment-là, c'était systématique ou systémique. La justice était rendue à prix d'argent. Tel était l'ensemble des abus qui duraient depuis des siècles. C'est pas 100 ans, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 100 ans. En résumé, si vous comptez les impôts que payait le tiers-État, vous trouverez qu'il y avait, le tiers-État c'était pour nourrir
et le clergé et la noblesse, n'est-ce pas, et le roi, eh bien, le tiers état payait la capitation, l'impôt du 20e, la taille, la corvée et la dîme. À partir de ces mêmes revenus encore, s'il vous plaît. Quand l'Église contrôle l'État, il y a des conséquences. C'était le système papal, dit la servante du Seigneur, qui avait commencé l'œuvre que complétait l'athéisme. Ce sont les agissements de Rome qui avaient amené cet état social, politique et religieux, qui poussait la France à la ruine. Un écrivain dit, ces excès doivent certainement être mis sur le compte du trône et de l'Église. Mais pour être plus strictement juste, il faut les mettre sur le compte de l'Église. Parce que la papauté avait rempli les esprits des rois de venir contre la Réformation, l'appelant un ennemi de la cour et de la couronne, en parlant des gens qui faisaient, qui recherchaient la liberté de religion et de lire la parole de Dieu et de modeler leur conscience à partir de la Bible, sola scriptura. Eh bien, la papauté avait rempli les esprits des rois de venir contre la Réformation, l'appelant un ennemi de la couronne, un élément de discorde qui devait être fatal à la paix et à l'harmonie de la nation. Il entrait dans le caractère de Rome d'inspirer par ce moyen les cruautés atroces du pouvoir civil. L'esprit de liberté marche de pair avec la Bible. Quand la Bible est quelque part, on est libre. Quand nous suivons ce qui est dans la Bible, nous sommes libres. Jésus dit, et quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Partout où l'évangile était reçu, il éveillait l'esprit du peuple. Les hommes commençaient à rompre les chaînes qui les avaient retenus dans l'esclavage de l'ignorance, du vice et de la superstition. Les hommes commençaient à penser et à agir comme des hommes. Ok, c'était dans ce moment-là où les nègres dans les colonies, particulièrement en Haïti, commençaient à comprendre qu'ils sont eux aussi des hommes et qu'ils se sont levés pour réclamer leurs droits. Les monarques remarquèrent cela et tremblèrent pour leur despotisme. Rome se hâta d'allumer leur crête jalouse. Le pape disait en 1525 au régent de France, le régent de France, il y avait un roi qui venait d'accéder au trône, il avait 5 ans. Donc ça prenait des adultes pour diriger le royaume. Alors, le pape disait en 1525 au régent de France, cette manie, en parlant du protestantisme, ne détruira pas seulement la religion, mais toutes ces principautés, détruira aussi la noblesse, les lois, les ordres et les rangs. Vous verrez ça dans G de Félix, History of the Protestants of France, B1, chapitre 2, paragraphe 8. Quelques années plus tard, un dignitaire du pape donnait ses avertissements au roi. Et il dit au roi, sire, ne soyez pas dupes. Les protestants vont renverser tout ordre civil, aussi bien que religieux. Le trône est autant en danger que l'autel. Le trône, c'est pour le roi, l'autel, c'est pour les prêtres, pour les prélats. Alors, le trône est autant menacé, en danger, que l'autel. L'introduction d'une nouvelle religion va nécessairement introduire un nouveau gouvernement. Vous pouvez lire ça dans D'Aubigné, Histoire de la Réformation en Europe et au temps de Jean Calvin. Et les théologiens excitaient les préjugés populaires en déclarant que la doctrine protestante entraînait les hommes à des nouveautés et à la folie.
priver le roi de l'affection dévouée de ses sujets et ruiner et l'Église et l'État. Ce fut pour soutenir le trône, protéger les nobles et maintenir les lois que l'épée de la persécution fut d'abord tirée en France. Willy Bégoin 13, chapitre 4. Les enseignements de la Bible auraient implanté dans les esprits et les cœurs du peuple les principes de justice, de tempérance, de vérité, d'équité et de bienfaisance qui sont la véritable pierre de l'angle de la prospérité nationale. La justice, dit la Bible, Proverbe 14, 34, et la vie de nation. Et 16, verset 12, c'est par la justice que le trône s'affermit. Si le roi, les rois, étudiaient leur Bible, ils auraient compris que l'équité sociale, la justice rendue à tous sans parti pris, affermirait leur royaume. Mais ils ont plutôt écouté les conseillers ecclésiastiques et ainsi ils ont amené la ruine sur tout le pays. L'heure de la justice sera la paix, dit la Bible, et ses effets, le repos et la sécurité pour toujours. Quand quelqu'un obéit à la loi de Dieu, cette personne va obéir aussi à la loi du pays, à la loi nationale. Quand cette loi ne brime pas la priorité, ou si vous voulez, la primauté de la Bible. À ce moment-là, Paris devint une vaste maison de charité, la ville de Paris, en France. Il y avait 200 000 pauvres qui réclamaient la charité des mains du roi chaque jour. 200 000 pauvres seulement dans la ville de Paris. On ne parle pas de Nantes, de Marseille, de Lyon et des autres villes de la France. Seulement à Paris, 200 000 pauvres. Et pendant ce temps, les jésuites, faites une recherche sur eux, prospéraient et gouvernaient avec une effrayante tyrannie les églises et les écoles, les prisons et les galères. Les jésuites avaient en main le système de l'éducation. Et les gens qui étaient formés dans leurs collèges, dans leurs universités, ces gens-là avaient appris comment repousser les théologiens protestants et comment garder une nation sous leur férule. L'Évangile aurait apporté à la France la solution de ses problèmes sociaux et politiques qui défièrent l'habileté de son clergé, de son roi et de ses législateurs et qui plongeaient finalement la nation dans l'anarchie et la ruine. Le riche n'était pas réprimé à ce moment-là. Excusez-moi si je passe pas assez vite. Le riche n'était pas réprimé lorsqu'il opprimait le pauvre. Et le pauvre n'obtenait aucun secours dans sa servitude et sa dégradation. Pendant des siècles, l'avidité et le dérèglement des nobles leur avaient fait opprimer et spolier les paysans autant qu'ils pouvaient. Le riche faisait du tort aux pauvres et le pauvre haïssait le riche. Vous comprenez? Le grand conflit, page 261 à 263. Sur le plan prophétique, la guerre que la France livra à la Bible pendant tant de siècles devait atteindre son point culminant dans les scènes de la Révolution. Cette terrible explosion du mal ne fut que le résultat naturel de la suppression de la Bible par Rome. L'Église, qu'on appelle l'Église apostolique, a supprimé les enseignements de la Bible pour faire passer ses dogmes au-dessus de la parole inspirée. Et en mettant de côté la parole de Dieu, elle pousse les dirigeants à faire de l'injustice. Et c'est ainsi que la ruine n'était pas loin sur ce pays-là. Les enseignements de l'Église romaine ont été faits pendant plus d'un millier d'années, en France particulièrement.
Or, la Bible dit dans Jean 3, 19, voici la cause de la condamnation. C'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Quand quelqu'un préfère les ténèbres à la lumière, cette personne va agir dans les ténèbres en faisant ce qui est mal. L'Esprit Saint a indiqué également les terribles résultats que devait avoir spécialement en France la domination de l'homme du péché. Le grand conflit, page 250. Je vous ai donné un petit peu de temps pour lire le petit texte en bas. L'accomplissement de la prophétie, détail par détail. Nous venons de lire, vous pouvez prendre votre temps pour lire l'Apocalypse chapitre 11. Alors maintenant, voyons comment cette prophétie s'est accomplie détail par détail. Verset 2. Les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Nous lisons dans le livre, dans le grand conflit, que la ville sainte représente la vraie église. Que les 42 mois ou les 1260 jours sont le même espace de temps, celui pendant lequel la véritable église du Christ devait souffrir de l'oppression romaine. En fait, les 1260 années, adventistes du septième jour, vous le savez que cette période de temps de la suprématie papale a commencé en 738 après Jésus-Christ et a pris fin en 1798, 1260 années plus tard, quand le pape a été arrêté par le général Berthier et conduit prisonnier en France, où il mourut à Valence en 1799. En fait, les 1260 années de cette suprématie n'ont pas toutes été sous cette domination. Jésus avait dit dans Matthieu que ces jours seront abrégés. Et parce qu'il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Les deux témoins, versets 3 et 4, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de ça pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et le psalmiste dit, en parlant des deux témoins, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les deux témoins dit, l'auteur inspiré représente les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce sont des témoignages importants rendu à l'origine et à la perpétuité de la loi de Dieu. Durant la plus grande partie de cette période, les deux témoins demeurèrent dans une sorte d'obscurité. Le pouvoir papal s'efforça de cacher la parole de vérité aux yeux du peuple et trouva de faux témoins qui contredisaient ces témoignages. Lorsque la Bible fut proscrit par l'autorité religieuse et séculière, lorsque son témoignage fut travesti et que tous les efforts, comme et démons, furent inventés pour en détourner les esprits, furent mis en œuvre, lorsque ceux qui osaient proclamer ces vérités sacrées furent poursuivis, trahis, torturés, ensevelis dans les cellules des cachots, martyrisés pour leur foi, ou obligés de fuir dans les cavernes, des montagnes et dans les angles de la terre, alors les témoins fidèles prophétisèrent revêtus de sac. Même revêtus de sac, la parole de Dieu continuait de témoigner. Il y a eu des hommes fidèles qui s'élevèrent contre cet état de choses où la parole de Dieu était mis dans, comme dans un sac, caché. Et bien ces hommes, Dieu leur a donné la sagesse, la force et l'autorité de déclarer sa vérité
durant toute cette période. La parole de Dieu dit, toujours Apocalypse 11, verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Et quand on parle que la parole de Dieu est un feu, vous pouvez lire ça dans Deutéronome 33, verset 2, 2 Samuel 22, verset 9. Dans Jérémie 5, 14, nous lisons, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Plus loin, Dieu dira dans Jérémie 23, 29 et 31, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise les rocs? Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Les hommes ne peuvent pas impunément singo en créole. Ça veut dire somnoler ou dormir. Les hommes ne peuvent pas impunément fouler aux pieds la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse 22. Tels sont les avertissements que Dieu a donnés pour empêcher les hommes de changer en aucune manière ce qu'il a révélé ou commandé. La Bible est comme une balance qui pèse tous les hommes, toutes nos actions. Et Dieu ne veut pas que au jugement, cette parole nous trouve léger. Dans Apocalypse 13, 10, il est écrit, si quelqu'un est en captivité, il est en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé en 1798. Le pape a été arrêté et conduit en France, à Valence, où il est mort en 1799. Vous verrez ça dans le petit Larousse illustré. La justice de l'épée a deux tranchants, l'effet boomerang. Au commencement de la Révolution, le peuple obtint, grâce à une concession du roi, d'avoir à l'Assemblée nationale, une représentation dépassant celle des nobles et des membres du clergé réunis. On n'a pas le temps. Et il s'agissait que le tiers état obtienne 671 députés. 578 députés et le clergé 260 et le clergé 301 députés et la noblesse 270. Donc le tiers état qui vient de prendre le pouvoir a plus de députés à l'Assemblée nationale pour faire passer ses idées. La malheureuse France allait moissonner dans le sang ce qu'elle avait semé. Sa soumission à la puissance envahissante de Rome, une terrible résultat. Je passe les diapos. Peut-être dans l'après-midi, on pourra revoir quelques-unes d'entre elles. Au moment de la Révolution française, il s'est passé quelque chose. L'ordre des choses était renversé. Ceux qui étaient opprimés devinrent maintenant les oppresseurs au pouvoir. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et l'Ecclésiaste
Ou si vous voulez, Salomon dit, il y a une chose qui fait trembler le monde. C'est des esclaves qui arrivent au pouvoir. Qu'est-ce qu'on faisait aux esclaves? Et maintenant, ils ont le pouvoir en main. Pensez-vous qu'ils vont vous bercer? Bon. Alors, personne n'était en sécurité quand le tiers état est arrivé au pouvoir. Que tu sois roi, membre du clergé, noble, tu étais forcé de te soumettre aux atrocités d'un peuple en démence. Affamé et en démence. L'exécution du roi, excitant la soif de vengeance, les hommes qui avaient décrété sa mort le suivirent bientôt à la guillotine. La parole de Dieu étant écartée, eh bien, le roi est quick. Ceux-là qui l'ont décapité, bientôt, c'était leur tour. En d'autres termes, il y avait tellement de chaos en France à la Révolution française que c'est comme... Bon, ok, c'est pas de comparaison. Tout le monde avait peur de tout le monde. Les prisons étaient remplies au point qu'elles contenaient au même moment plus de 200 000 captifs. Parmi les 200 000 captifs, c'était des gens du clergé, des gens de la noblesse et des gens qui étaient au pouvoir. La France devint un vaste champ de lutte où les masses se ruaient les unes contre les autres, emportées par la fureur de leur passion. À Paris, tout le monde courait dans toutes les directions. Je n'aurai pas le temps de vous raconter à la chute de Jean-Claude ce que j'ai vécu à Port-au-Prince. C'est dramatique. Les Macoutes armés tenaient leur arme à hauteur d'homme sur des jeunes qui voulaient le départ de leur chef. Les jeunes étaient armés de pierres et de bâtons. Les Macoutes avaient armé des fusils. Vous comprenez? Je revenais du travail avec un ami. Il avait tellement peur qu'il m'a tenu comme si j'étais son père et que lui, il avait 2 ans. Pas d'autobus, pas de tap-tap. J'ai dû faire Centre-Ville-Port-au-Prince pour entrer chez moi à Carrefour, à pied. Chaos complet. On n'a pas le temps. Les prêtres qui poussaient le peuple, qui poussaient les rois, les dirigeants, à malmener le tiers-état, maintenant c'était le tour des prêtres d'être mis en prison, d'être guillotinés. Plusieurs, beaucoup d'entre eux, ont payé ce qu'ils ont fait de leur vie. C'est ça qu'on appelle l'effet, le revers de la médaille ou l'effet boomerang. Tu envoies ton boomerang pour tuer quelqu'un, eh bien ok, la personne est décapitée, mais le boomerang revient pour toi aussi. L'injustice abaisse une nation, mais la justice l'élève. Il y avait des échafauds partout. Il y avait du sang des prêtres partout. Les galères et les prisons remplies autrefois du guénon regorgeaient maintenant de leurs persécuteurs. Enchaînés sur les bancs et maniant péniblement les rames, depuis qu'il est prêtre et qu'on a le grandi bateau. Eh bien, il t'a fait pour nous et ramer pour porter des marchandises qu'on y a servi au point. Pour aller porter marchandises et faire marcher le bateau. Les membres du clergé romain goûtèrent
des mots que leur Église avait si libéralement infligés à d'innocentes victimes. C'était la barbarie partout. Les galères étaient remplies de prêtres comme au temps de la traite des gruyères. De longues files de captifs furent moissonnées par la mitraille. Lyon, la ville de Lyon, désertée. La ville d'Arras, ou la région d'Arras. Et bien là, les gens qui étaient tués, fusillés, trouvaient cela comme un privilège. Parce que mieux vaut être fusillé que d'être torturé avant de mourir. On ne tenait aucun compte du sexe de la personne, ni de son âge. Des jeunes enfants, des bébés, leur mère, leur père, des vieillards, tout le monde passait comme au temps où les prêtres dominaient. Vous pouvez lire le chapitre de toute façon, à partir du livre Le Grand Conflit, ou La Tragédie des siècles, la Bible et la Révolution française. Il y a des choses qu'on n'aurait pas le temps de vous dire maintenant. Au verset 6, les deux témoins ont un pouvoir. Et Jacques Doucan réfère, dans le livre Le Cri du Ciel, page 133, il réfère les deux témoins à Moïse et à Élie. Moïse de l'Ancien Testament et Élie de l'Ancien Testament, mais qui fait penser à l'avenir. N'est-ce pas vrai que Jésus dit que c'est lui, Élie, qui va rétablir toutes choses? Et en même temps, il dit que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Et en même temps, vous et moi, nous sommes l'Élie qui doit venir aussi. En d'autres termes, Élie et Moïse étaient deux grands prophètes, témoins de Dieu, qui ont affronté des rois impudents. Moïse, dans Exode 7, verset 29, 22 à 25, Moïse a changé l'eau en sang, n'est-ce pas? Et Moïse a fait tomber la grêle, et la grêle était accompagnée de feu. La même chose, Élie, quand il affronta le roi Acab, il a fait cesser la pluie pendant 3 ans et demi. Jacques 5, 17. Et quand le roi Akasia a envoyé 3 fois 51 soldats pour l'arrêter, Élie a fait tomber du feu du ciel et les a consumés. Donc, dans Apocalypse 11, il est dit que les deux témoins ont le pouvoir de faire tomber du feu du ciel. C'est intéressant. Donc il s'agit de la puissance de Dieu qui accompagne son peuple, qui accompagne sa parole. N'est-ce pas vrai que Matthieu 17, 1 à 8, quand Jésus était transfiguré sur la montagne, que Dieu a envoyé ces deux prophètes-là pour s'entretenir avec lui? Vous vous rappelez, Pierre a dit, il est bon d'être ici, Seigneur. Si tu veux, nous allons faire 3 tentes. Et pendant que Pierre parlait comme ça, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, Jésus-Christ, c'est lui qu'on doit écouter. Donc, quelle est la bête qui monte de l'abîme? Je suis désolé, les amis. Je peux finir à 45? Vous me regardez. Oui. Ok. Quelle est la bête qui monte de l'abîme? Eh bien, il est dit que la bête qui monte de l'abîme fera la guerre et tuera les deux témoins. La parole de Dieu. Eh bien, dans bien des nations de l'Europe,
les puissances qui gouvernent l'Église et l'État avaient été depuis des siècles sous l'influence de Satan par l'intermédiaire de la papauté. Mais nous voyons paraître ici une nouvelle manifestation de la puissance satanique. Rome faisait la messe, faisait faire la messe aux prêtres en donnant tout à l'assemblée et en lisant la méditation en latin pendant 402 ans. C'est ce que les prêtres faisaient partout dans le monde. Ils donnent tout à l'assemblée et ils lisent la parole de Dieu ou l'homélie ou la messe en latin, langue morte et inconnue des fidèles. Donc, la Bible était dans ce sens-là, comme dans un sac caché. C'est au Concile de Trente que cela a commencé et cela a pris fin au Concile au Concile du Vatican II en 1965. Mais je me rappelle quand j'étais encore petit, bien longtemps après 1965, la messe était dite en latin. Vous comprenez? Mais officiellement, 402 ans de messages que tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Vobis cum, c'est cum. Est-ce que tu vas comprendre ça? Quand Vigné dit Amen, tout le monde dit Amen. Ou pas qu'on dit si c'est jour et l'âme jour. Qui ça l'a dit? On peut dire Amen. Ok. Si quelqu'un chante en anglais, la musique, au moins, si je ne parle pas l'anglais, va m'édifier. Mais si quelqu'un me parle dans une langue inconnue et me fait des gestes, qu'est-ce que je vais comprendre? Et si la personne ne fait aucun geste, c'est pire. La grande ville de Sodome, le verset 8 dit, le cadavre va être sur la place publique de la grande ville, appelée Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié. Ici, nous avons trois mots. Sodome, Égypte et Golgotha. Sodome, qu'est-ce qu'il y avait à Sodome? La luxure, l'homosexualité, l'immoralité, l'injustice, l'iniquité. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Le roi de Pharaon qui a dit à Moïse qui est l'Éternel. Je connais moi l'Éternel et je laisse moi aller à Israël. L'athéisme. Qu'est-ce qu'il y avait à Golgotha? Notre Seigneur Jésus a été crucifié là. Mais, dans le verset, il ne s'agit pas de ces trois endroits. En gros, je vais vous donner la référence de référence. Si vous lisez, c'est une grosse recherche. Mais vous pouvez lire ça dans le grand conflit. Sir Walter Scott, La vie de Napoléon, volume 1, chapitre 17, vous allez avoir des idées. Quand ils ont déclaré à la Révolution que la religion et la Bible sont bannies, eh bien partout en France, comme à Paris, il y avait des fêtes et des réjouissances. Le grand conflit, page 254-255. Ils ont lancé des défis à Dieu. Je ne peux pas passer sans vous lire ça. Il y a un prêtre catholique, qui a dit à la Révolution, notez bien, Dieu, si tu existes, venge ton nom injurié. Je te défie. Il va même quitter le temps passé, non? Il dit, je te défie. Tu gardes le silence?
Tu oses balancer tes foudres? Qui croira après cela à ton existence? Parce que Dieu n'a pas agi sur le champ. C'est un écho, un prêtre catholique, oui, mes amis. C'est un écho à Pharaon qui a dit qui est l'Éternel. Je ne connais point l'Éternel. Le méchant dit, il n'y a point de Dieu, n'est-ce pas? La corruption de Sodome, nous venons d'en parler. En France, à la Révolution, comme avant, beaucoup de luxure, d'injustice, et même le mariage. Le mariage a été appelé le sacrement de l'adultère. Le grand conflit, page 254-255. Le mariage a été appelé par une femme qui s'appelait Sophie Arnoux que le mariage est le sacrement de l'adultère. Jésus a été crucifié, insulté, injurié à Golgotha. Eh bien, en France, ils ont dit, je vais chercher le texte, que nous devons tuer les femmes. Et qui est les femmes? D'après eux, c'est Jésus. Il faut tuer les femmes. Donc, là où notre Seigneur a été crucifié, ils ont tué les serviteurs de Dieu. C'est comme si tu es Jésus-Christ. Matthieu 25. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu visites quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, eh bien tu donnes de l'aide à Jésus. Mais si tu n'aides pas ton prochain, tu fais du tort à Jésus. Donc tu es le peuple de Dieu, c'est tu es Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait en France. Il y avait le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1772. Là encore, les protestants dormaient tranquilles. Le roi leur a dit, ne vous en faites pas, je suis avec vous. Et les protestants se sont dit, bon, ok, nous sommes protégés. Ils sont allés dormir. Pendant la nuit, les cloches des églises ont sonné pendant 10 jours. Les gens sont venus et ils ont tué des milliers de protestants. Le pape Grégoire VIII, quand il a appris comment les Français ont tué environ 70 000 personnes, il a reçu cela avec une grande joie. Il y avait une possession, il y avait un tédéum. Et il a gravé un anneau qu'il a envoyé au roi de France pour lui dire merci. Ils ont désigné le Christ comme les femmes. Et grand conflit, 256 à 258. Les 3 jours et demi, eh bien c'est le moment où la Bible a passé dans le silence, où les chrétiens ont dû fuir la France. Il y avait une procession à la convention que la religion qu'il avait enseignée tant d'années était à tous égards une intrigue de prêtre. Le cardinal a dit, j'ai passé toute ma vie à servir une religion et un Dieu qui n'existe pas. Et il a pris tous ses insignes et les a déposés. À ce moment-là, il a reçu une grosse accolade du chef de la convention. Non, l'image, c'est juste pour parler. Ok. Mais 3 ans et demi plus tard, après 1793, la Bible est revenue à la vie. Et aujourd'hui, des centaines
de millions de Bibles, livres qui ont été proscrits, sont imprimés et distribués à travers le monde entier. Jean Dougan dit que la Bible est devenue un best-seller le plus grand de tous les temps. Et quand on parle de monter au ciel, et au verset 12, une voix vient du ciel et leur dit, montez ici, eh bien, la Bible, en ressuscitant, est comme monter au ciel pour annoncer l'évangile éternel à toute la terre. La bête a été jugée et nous savons de quoi il s'agit. 1798. On a parlé de la raison. Quand on a dit que la religion est bannie et que l'Église, la liberté, la Bible sont bannies, eh bien, ils ont remplacé Dieu par un char allégorique sur lequel se trouvait une belle jeune femme aux mœurs légères qu'on a fait promener sur toute la, dans toutes les rues. Et cette femme était un symbole de la raison. Ils disent, Dieu et la religion sont morts. Maintenant, voici notre déesse, c'est la raison. Et ils se sont prosterné devant la jeune femme aux mœurs légères. Conclusion, homme content. Enfin, frères et sœurs et amis, visiteurs de l'église Béthanie, le même esprit qui a provoqué ce drame inouï en France travaille encore aujourd'hui dans l'ombre pour ruiner la race humaine. Il utilise toute sa ruse pour rétablir et attiser dans toute sa violence l'intolérance religieuse. Pour restaurer la puissance de l'Église romaine, d'abord aux États-Unis, puis partout sur la terre. Mais, il a dit, grand conflit, page 515, ni les hommes impies, ni les démons ne peuvent arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Ou cacher sa présence à ses enfants. S'ils veulent, le cœur soumis et contrit, confesser leurs péchés, les abandonner et réclamer avec foi les promesses de Dieu. Aucune puissance ne peut nous cacher la présence de Dieu. Amen. Ni empêcher son œuvre de faire son travail sur la terre. Mais nous devons nous attacher au Seigneur. Combattre le péché en nous et hors de nous. Toute tentation, toute influence contraire, soit ouverte, soit secrète, pourra être victorieusement repoussée, non par la puissance, ni par la force humaine, mais dit l'Éternel, c'est par mon esprit. L'Éternel des armées, c'est par son esprit que vous et moi, nous remporterons la victoire. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.